De retour, bon rebonsoir à tous. Allons-y, alors on relance un petit peu avec Jean-Claude. Je vais faire 2-3 trucs nécessaires, à savoir finir d'explorer cette zone en fait. Je vais essayer d'aller chercher la pierre de Pharos qui se trouve en bas de cette zone. Peut-être commencer déjà par buter en fait tous ces mobs de merde qui respawnent toujours dans cette zone. Histoire d'avoir un feu safe, tout simplement. Voilà, donc on va reset un petit peu en boucle, histoire... Heureux, mon cher Mizu. Oh non mais... Ta mère là, brosse à chiottes. Voilà. Meurs saloperie. Meurs engeance du diable. Oh du calme. J'allume... Bah ouais, j'allume les feux. Sinon c'est pas drôle. Voilà. La même, allez. Crève bien, merci. Alors on va répéter ça jusqu'à ce qu'il n'apparaisse plus. Alors je ne sais pas combien de fois il faut pour que ça soit le cas. Wow. Oui, je fais n'importe quoi et c'est mon droit, c'est mon choix. Si je crève, c'est normal, hein, et toujours là, hein, toujours là. Ouais, celui-ci est peut-être, ce combo-là est peut-être un petit peu plus logique en fait. Ouais, toujours là ces saloperies. Voilà, ça c'est un petit combo qui a de la gueule. Mine de rien, on est en train de se faire des âmes. Hein. Toujours là. Ah, ça va prendre du temps, mais... Mais saloperie, vise un petit peu. Oh, ils font mal avec leurs arbalètes. Salut Dark Creeper, bonsoir, bienvenue à toi. Heureux, il me semble que tu étais là tout à l'heure, je ne sais plus. Wow, slow down. Tout va bien. Ben ma foi, ça va bien, oui, et toi, comment vas-tu? Oh, ils sont infinis ces mobs. Ils sont infinis ces mobs.
Ah, il y en a un qui a disparu. Bon signe, ça. Ça veut dire qu'on est probablement sur la fin. D'accord, t'étais pas là, ok. Oui. Couleur agréable à l'œil, j'avoue. Très bon show. Voilà, ils ne sont plus là, ces enfants de salauds. Donc, c'est déjà ça de fait. Un petit feu safe. Tranquillou. Et on va... je vais plutôt me diriger vers... cette plateforme pour aller tout simplement essayer de récupérer cette fameuse pierre de Pharos dont j'ai besoin. Voilà, c'est bien, tu as tiré dans le vide. Je te félicite. Tu es vraiment un sac à merde. Alors cet anneau, je vais pas en avoir besoin, donc je vais prendre celui qui me permettra de ne pas perdre toutes mes âmes et mon humanité, ce qui m'embêterait salement. Alors là, hop, on se jette ici histoire d'aller récupérer. Un petit objet, un kunai de lacération. Ok, tout va bien. Là, ça doit être Lucatiel. Je n'avais jamais remarqué qu'ici, il y avait une porte. Non, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce qu'il dit, ce con? Voilà, un petit backstab, ça remet les idées en place. Ça remet toujours les idées en place. Ah, la poussière d'os sublime, alors ça, je suis très content de l'avoir trouvé. Est-ce que je peux arriver? Non. Il va me calculer, ce connard. Par contre, derrière, le backstab, c'est gratuit. C'est pour Bibi le backstab. Voilà, tranquille. À l'aise, tranquille, on va. Je vais aller voir. Ce fameux passage secret qui ne donne sur pratiquement rien. Savoir l'anneau rituel du Nord et une pierre de saignement. Il reste encore un gros mob. Ici. Wow, du calme, du calme. Non, 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 non. Saloperie, saloperie, alors qu'il y a l'autre qui arrive et qui va me péter à la gueule. Tout va bien. Voilà, lui c'est fait. Reste plus que me m'occuper de sa gueule à lui. L'enfoiré. L'enfoiré de sa race. Sa mère la brosse à chiottes. Oh, je me laisserai pas démonter pour autant. Ah oui, j'ai un fauchon, c'est vrai, enchanté. Que j'ai récupéré dans le beffroi de la lune. J'ai un peu trié d'ailleurs mes objets parce que je me rends compte que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Ça, j'en ai pas besoin. Bon, les kunai de lacération, faut pas déconner quand même. La chance, m'en fiche. L'encens daté aussi. Les âmes des gargouilles, pareil. Le calice d'âme aussi.
Non, ça j'ai pas besoin. Le bouclier, j'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Ça non plus. Attends, aussi, il me semble qu'il y a des choses que je peux virer. L'anneau rituel du sud. Plus de sorts, tout ça, je n'en ai pas besoin. Ça non plus. Ça non plus, quoique. Bon, on va la refaire tranquille, détendue du slip. Re-famous. J'ai oublié le tweet. Quel sac à merde. Quel sac à merde, j'ai oublié le tweet. Je vais me remettre safe. Je vais faire ce petit tweet parce que c'est très important, évidemment. Évidemment, merci Famous pour me le rappeler. Et rebonsoir d'ailleurs. Alors, Jean-Claude est dans la place pour distribuer de la salade de dos dans les faces. Voilà, magnifique. Magnifique, le petit tweet est parti, c'est beau. Et remomiji. Allez, on va se la refaire, cette zone détendue du slip. Bisque, oui, non, mais il faut pas déconner. C'est une affaire personnelle entre moi et ces mobs de merde, évidemment. Allez, vas-y, tire-moi dessus. Ah, oh, merde, je l'ai pas esquivé. Eh, merde. Voilà. Ah oui, alors là, l'erreur à ne pas faire, ne pas essayer d'aller sur cette plateforme alors qu'elle est un petit peu descendue. Ah oui, c'est long. Ah oui, c'est long. Allez. Détendu dans son falzar. Alors, tout d'abord lui. Mais merde, mais c'est pas possible! Mais cette portée de ouf. Ah, pourtant, tout à l'heure, j'y suis bien arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, voilà, là, le backstab, il est là. Là, le backstab, il est présent. Ça, j'en ai plus besoin quand même. Bon. Détendu du slip. Oui, d'accord. Je loupe ma roulade parce que j'ai tenu appuyé le bouton B comme un sac fini. Est-ce que ça m'étonne? Pas du tout. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me faire lui là. Voilà. Je me suis fait ce sac qui tout à l'heure m'a bien fait chier en fait. Il n'y avait pas un truc ici. Je ne sais plus.
Zbala! Pas d'embrouille. Ah, et là, je peux utiliser la clé de la forteresse. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Une graine de feu. Intéressant. Là, je peux encore ouvrir avec la clé de la forteresse. Maintenant, je peux tenter ce gros connard détendu du slip. Voilà, ça passe comme papa dans maman. Voilà, zéro embrouille. Allez, maintenant, il faut que je me fasse les deux zones là parce que... Mais sac à merde. Non, tu te calmes. Tu te calmes, Gérard, tu te calmes. Alors, si c'est pas dans cette zone, c'est dans celle-ci. Voilà. Non plus. Merde, elle est où, cette pierre de pharos, bordel de chi, de con, de putain merde. Là, voilà, pierre de saut de pharos avec une âme. Et voilà, et je crois que là j'ai vidé la zone. Alors ce que je vais faire, tout de même, je vais ouvrir ce portail parce que je le peux. Je vais tout ouvrir, je m'en fous, c'est la première fois que j'ai la clé de la forteresse, alors c'est fait. Je me fais plaisir. Voilà. Ah, c'est bien ce que je me disais, il y a de quoi allumer un feu ici. Donc ce que je vais faire... C'est remonter chercher un feu. Alors je ne sais plus si ici aussi... Où est-ce qu'on peut... Ah oui, voilà. Il y a un feu aussi ici, donc je vais aller allumer mon feu, allumer tous ces feux-là pour pouvoir allumer la zone du boss. Et ça sera fait, il n'y aura plus qu'à lui tartiner sa gueule, pardon. Quand Oli et Mizu seront là, voilà. Voilà exactement Mizu, allumer le feu comme Johnny. La flamme olympique, c'est parti. Le 100 mètres, David Douillet. C'est vrai qu'on y voit mieux. Tout de même, faut avouer qu'avec une torche, on voit la vie différemment. Évidemment, allumer ce feu-là. Et là, on va courir, le feu à la main. Allez. Oui, bien, bien vu Zarod ne pas rouler dans l'eau, sinon on a l'air d'un con. Avec sa torche éteinte. Le sprint final. On va monter ces petits escaliers, utiliser notre jolie clé de la forteresse. Et allumer...
Voilà, regardez, magnifique, on allume la flamme olympique. C'est vraiment les Jeux olympiques, hein. On y est, c'est ambiance. Paris 2015 dans la place. On allume des deux côtés. Voilà, et là c'est magnifique. Et est-ce qu'on a une pierre douce et soyeuse? Oh, c'est joli. Voilà, et on se sentira moins seul face au boss. Une gemme de vie radieuse. Non, mais c'est un métier d'allumer une flamme. C'est... allumeur de flamme qui veut. Et maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai eu ma pierre de Pharos. Le Nelson Montfort de Dark Souls. Eh bien, oui, nous sommes en direct. Et we are in direct. Oui, si je me dirige vers la bonne sortie, du plus ou moins la seule sortie, ça sera un petit peu mieux. Donc, petit retour à Majula, parce que je pense que je peux prendre mon dernier, mon petit 40 en dextérité. Ça me fait extrêmement plaisir. Ah, je suis content. 40 force, 40 dextérité. Niveau 93 tout de même. Après, je boosterai un petit peu l'adaptabilité. Parce que oui. Tout de même. Histoire d'avoir des roulades un petit peu plus efficaces. Et maintenant, je vais retourner dans la forteresse oubliée. Au quartier des serviteurs. Je ne dise pas de bêtises. Pour faire la zone, à moins que je me fasse envahir comme un sac, ce qui serait pas étonnant non plus. Bon, on va se faire Jean-Claude parce que... Enfin non, pas Jean-Claude. Jean-Claude, c'est moi. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, j'ai perdu l'ambidextrie. Super. Voilà. C'était plutôt Gérard. C'était Gérard. Donc là, mon but, c'est d'aller juste utiliser la pierre de Pharos. En bas. D'autant plus que là, il y a aussi un objet que je n'ai pas pris. Ah, il y a plein de chiens en bas. Ça va être drôle, je vais probablement mourir. Bon, ça quand même, c'était une action de grande classe. Je ne sais plus où mène cette échelle déjà. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non, en fait, il faut bel et bien que je passe par là. Donc là, il y a un paquet de chiens quand même. C'est des ambiances, c'est certaines ambiances, on va dire. Ah, ils m'ont pas calculé. Ah, s'il y en a un qui m'a calculé, hop, il a réussi à m'avoir le sac. Hop là, le lock qui fait des... Non mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, le jeu. Ah, c'est complètement ambiance de la brousse, hein. Non, mais à ce stade-là, je pense que ces chiens-là, c'est il faut les aider, quoi. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je suis là, connard.
Ah ouais, non, mais oui, t'es con, bien sûr que t'es con. Allez, viens, viens que je te bourre le cul. Voilà. Oh, magnifique, magnifique triple loup de ce piqué. Quelle figure accrochée par les jambes. Regardez, regardez comme c'est magnifique. Magnifique exécution. Le genou est disloqué. C'est extraordinaire. Donc là, il y a encore deux petits connards. Isbra. Ah, merci. Merci, Famous. J'irai regarder ça. Sans faute. On utilise la pierre de Pharos. Et deux petits murs. L'histoire apparaissent avec de la des choses bien à l'intérieur. Un calice d'âme pour pouvoir reroll son perso. Une herbe de brûlante fenêtre. Ah oui, et là c'est les petits trucs sympathiques là, c'est vrai. Et je ne suis pas Végétarte, le prince des super guerriers, voyons. Oui, parce qu'il y a cet objet aussi à ramasser. Alors je sais plus, il y a un truc. J'ai oublié, j'ai tout oublié quand tu m'as oublié, bref. Je ne sais plus vraiment quel est le setup. Pour récupérer cet objet. Parce que oui, il y a un setup. Il y a moyen de récupérer cet objet, mais il y a surtout moyen de crever. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a en haut dans la magnifique petite cellule. Quoique, l'idéal, ce serait d'y aller le jour où il y a ce trade. Ou le jour où j'ai de quoi dépétrifier Strain, mais je vais les attirer petit à petit, ces petits cons. Voilà, viens là, viens là, viens là, mon ami. Paf, paf, et paf, pas d'embrouille. Donc oui, ce personnage, il faudra le pétrifier pour accéder au feu derrière lui, mais là, théoriquement, voilà la clé de la forteresse qui permet d'ouvrir cette salle. Et récupère un os de dragon pétrifié. Et une trois bombes incendiaires et cette porte. Sur quoi donne-t-elle déjà cette porte? Ah oui, d'accord, c'est juste pour descendre. C'est un petit échappatoire. Soit. Mais non, ne t'auto-banne pas, voyons. Surprise, motherfucker! Essayez roulade anneau. Ouais, tout ça pour ça, je suis d'accord. D'ailleurs, l'os pétrifié, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est déjà l'os de dragon pétrifié? C'est une arme, non? Non, même pas. Je suis con ou aveugle? C'est laquelle de solution? Oui, c'est ça, je suis con. C'est bien ça, c'est une pierre spéciale, alors. Oh, je vais le regretter, je sens que je vais le regretter.
Et je sais plus quel était le setup pour... Ah, et puis YOLO. Bah non, voilà, vous voyez? Ah oui, un asset de feu, c'est vrai. Par contre, là, ça sent la mort quand même. Ok, Momiji, ben, désolé que Taco t'empêche de regarder, mais ben, bonne soirée si tu ne reviens pas. Et sinon, à tout à l'heure. Attendez que je calcule bien. Oui, c'est ça, il y a une poutre au milieu. Vas-y, fais pas le con, fais pas le con. Regardez-moi cette classe, cette petite classe. Ah, vous en trouverez pas des 36 000 des comme ça, hein. Croyez-moi. Bah non, c'est des conneries ton truc. Bref. Et là, et là, et là. Ah oui, c'est vrai, on retombe à ce feu-là. Oh bah allons-y, parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est bien, t'as bien joué, gars. T'as bien joué. T'as joué juste, t'as joué beau jeu. C'est vrai que j'aurais pu faire os du retour. Mais non, l'os du retour, c'est pas assez beau jeu. Donc voilà. Donc voilà, grosso modo, j'ai fait ce que je voulais faire avec ce perso. Reste que je pourrais aider des gens pour gagner quelques âmes. Écoutez, bah, c'est vous qui allez choisir en fait. Est-ce que je continue avec Jean-Claude? Est-ce que j'essaie d'aider des gens avec Jean-Claude? Est-ce que je change de perso? Est-ce que je change de jeu? Votez. Bearer, seek the king, lest this land swallow you whole. Dans la nouvelle zone, oh, je peux prendre un niveau joie, joie et volupté. Donc je vais commencer à mettre des points en adaptabilité. Dans la nouvelle zone. Ah, tu veux dire dans la zone... Si je vais parler... Je vais d'ailleurs... je peux le faire, c'est pas... Pendant que vous exprimez votre opinion. C'est vrai... Ah oui, ah, c'est vrai que du coup, là, il va y avoir faute. Il y a erreur. C'est-à-dire que je viens de dépenser toutes mes âmes. Oh, this room is not as it seems. There are two, not one pathways, and only this, and this, you love, shall I provide? Voilà, 2000 âmes, donc c'est un peu la loose. Faut avouer ce qu'il faut avouer. No need for miracles. The gods. Oui. Alors oui, je pourrais aussi utiliser une bonne fois pour toutes ma poudre d'os de dragon ou je sais plus quoi. Ma poudre d'os sublime, oui. Au feu, histoire d'avoir une fiole d'astuce plus 2. Ah ouais, il faut que j'aille faire le trottoir. C'est terrible. Ce jeu est terrible. En fait, toutes ces effigies humaines, je peux les stocker aussi. Ça, je n'en ai pas besoin. La sette de feu, je m'en fiche. Ah, attendez, avec les âmes. L'encens de la thé, on s'en fiche aussi. Et alors, tu me disais, j'ai des orbes noires, orbes d'œil rouge fissurés, effectivement. Trois orbes d'œil rouge fissurés. Mais bon, on va y garder des mondes, sincèrement.
Je vais un petit peu m'emmerder. Bref. Je ne sais plus à combien correspondent ces âmes. Donc peut-être s'il y en a une à 1000 ou à 2000. Non, non, ça sert à rien d'envahir des gens, ça sert à rien. Sincèrement. Pff, tu parles. Tu parles. Me voir à l'œuvre. Ben tiens. On va voir combien donne une âme de soldat anonyme. Ah ben c'est magnifique. Voilà. J'ai 2000 âmes. Donc je vais pouvoir faire bouger ce maudit mécanisme. Allez, prions ensemble, mes frères et sœurs. Laissez et allons-y. On va essayer d'aider des gens, donc. Ça commence à me dire quelque chose. Oui. Ah, c'est des grosses ambiances aussi, ces zones. C'est des très très grosses ambiances avec ici donc ce maître des maléfices qui va m'envoyer bouler comme une merde. Voilà, en gros t'es qu'une grosse merde. Et le bosquet des chasseurs. Je vais poser ma marque et puis on va voir ce que ça donne. Je suppose que si je m'en vais... ah non, ça marche. Ok, soit. Bon, ben on va voir si des gens veulent bien m'invoquer. Ah oui, d'accord, j'ai one shot. Ok, pas de soucis. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ici on a ces pipaillons ou je ne sais plus quoi. Mais voilà, je suis déjà invoqué. Ça fait plaisir. D'accord. Super. Le chieur. T'es vivante ? Ah d'accord, t'étais vivant. Pardon. Désolé. Oui, non, c'est vrai que cette zone tout seul, elle va être un petit peu... un poil chiante, en fait. Un poil casse-couille.
Cet objet, on n'en a pas besoin. Il y en a des trucs qu'on pouvait virer, les bombes incendiaires, bon. S'en fiche un peu. Ça, je pourrais le mettre parce que c'est utile tout de même. Ouais, ça invoque pas énormément, hein. Ça invoque pas des masses. Je pense que je vais plutôt essayer de me faire invoquer ici. Essayer de faire la pécheresse oubliée. Sinon changer de perso, faire quelque chose d'autre, mais... Oui, je sais que ma marque a disparu. Je suis pas complètement teubé non plus. Bah du coup, en attendant, on va visiter cette zone. Mettons à profit les instants que nous avons afin de faciliter nos futures aventures. Ah vas-y, tire-moi dessus. Voilà. Saloperie, con de mime. Le mime. Non mais il y a bien quelqu'un qui va m'invoquer à un moment ou à un autre. J'y crois tellement. Voilà. Raté, sac à merde. Oui, je t'ai raté aussi avec mon gauche-droite. J'en suis combien d'ailleurs en mémoire d'âme à 48 000, presque 490 000, pardon. Oh là là, quel homme, quelle maîtrise du corps à corps, ce Jean-Claude. Un grand bretteur. Bon, sinon vraiment, s'il n'y a rien qui se passe, je crois qu'on va changer de perso. Hein. Ou de jeu. Voilà, petite esquive juste avant de se prendre la flèche. Ah, là par contre c'était raté.
Là, par contre, il y a eu erreur. C'est un petit peu mortadelle. Faut avouer ce qui est, c'est un petit peu mortadelle. En fait, j'aurais peut-être plus de chance ici. J'y pense maintenant. Mais c'était peut-être pas le bon feu pour se faire invoquer. Peut-être qu'ici, c'est plus efficace. Il me fait délirer ce mob emprisonné. C'est n'importe quoi. Allez, invoquez-moi. Faisez pas les chiens. Oh, je suis tellement déception. Je me demande combien de fois ils respawnent ces mobs. Très sincèrement. Il y plus. Ça y est, il a disparu. Oh, je suis tellement déception. Bref. Bref. Oh, il m'a surpris, le petit con. Il m'a surpris, Gérard. Je crois que j'ai tout pété. Ah non, il reste encore cette jarre qui a résisté. Bon, vraiment, je suis déception. Personne ne veut m'invoquer. Je suis déçu. Je suis déçu, je m'attendais à mieux de la part du jeu.
Juste une petite question, je vois sur le retour du stream que ça comment dire, c'est pas que ça lag, mais c'est, enfin si, ça a l'air de laguer, ça a l'air de d'être un peu, comment dire, peu saccadé parfois. Est-ce que c'est vrai que mon retour, ou ça le fait pour vous aussi? Mais j'ai débloqué le bosquet des chasseurs, c'est vrai. Le beffroi de la lune aussi. Heureux, mon cher Mizu. Bon, ça ne mord pas. Ça ne mord définitivement pas, donc. Donc je pense que je vais changer de perso. Je pense que je vais changer de perso. Et ou carrément recréer un. Mais on va encore passer 3 ans sur l'éditeur de perso, donc ça va être chiant. Donc ça va être chiant. On va voir un peu ce qu'on a comme personnage. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Ah, ce pauvre brosse à chiottes qui ne servira plus. Ce pauvre brosse à chiottes qui ne servira plus. Jojo le poulpe. Jojo le poulpe, je ne l'efface pas parce que j'adore sa tronche de cake. Mais regardez-moi la pureté. On sent dans les yeux de ce personnage toute la détresse du monde. On sent que la vie ne l'aimait pas. Ce regard entre le hamster fou et le lapin mort, avec un petit côté Cyrano complètement craqué dans sa tête. Donc je le garde pour la galerie. Il y a Fidel Gastro, il y a complètement Fidel Gastro. Et donc malheureusement, ce pauvre brosse à chiottes. Qui me fait de la peine. Fait de la peine, brosse à chiottes. Ah, j'ai une idée. Ah, j'ai une idée. Ah, j'ai une idée. On va recréer brosse à chiottes. On va recréer brosse à chiottes. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai eu une idée. Je vais faire ce que je voulais faire depuis longtemps, en fait. Donc, nous voici au début du jeu. On va recréer ce bon vieux brosse à chiottes. Pas se gêner et prendre les petits objets. Laisse rouiller. En espérant quand même une chose, je ne sais plus si. On va voir comment ça se passe.
Je vais commencer le jeu, commencer la partie et on verra comment ça se passe. Et je vous préviens, le début de partie risque d'être corsé. Ça risque d'être bon esprit. Donc voilà, donc brosse à chiottes is back. Brosse à chiottes. Et allons-y, faisons-nous plaisir. Donc forcément, ça va être un mendiant. Avec des outils de soins, ça me paraît être une bonne idée. J'aime ça, j'aime la musculature, mais le gras un petit peu. Allez, c'est là où la magie s'opère. C'est là où la magie s'opère. Donc on va peut-être prendre entre les deux âges, ni jeune ni âgé. Un peu androgyne. J'aime bien comme la couleur finalement varie, c'est très étrange. On va essayer de se trouver une belle couleur bien sale. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme couleur bien bien sale? Oh là là, mon Dieu, ces couleurs immondes! Ah ouais, là il y a quelque chose. Là il y a quelque chose dans. C'est quoi d'un coup ce visage? Regardez, à chaque fois que je passe, c'est très étrange. Infâme. Infâme. Qu'est-ce que je pourrais vous faire un beau fôme? Oh là là, mais regardez-moi ce profil. Regardez-moi ce profil. Et évidemment, un joli petit... vert fluo. Non, un vert clair. Quoique non. Il faut mettre en valeur son teint, donc un joli vert foncé. Alors les pommettes, voyons voir. Oui, évidemment qu'elles vont. Quoique. Discrète, mais pas trop. Évidemment, un joli petit rosé de joue. Voilà, rosé la joue, rosé. Ah oui, non, évidemment, une petite barbiche. La couleur de la barbe étant très importante, puisqu'elle va être la même que les cheveux. Alors j'ai envie de partir sur un petit mousquetaire. Un petit mousquetaire.
Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ça, comment en faisant des allers-retours sur les sliders, on arrive à faire n'importe quoi avec ce. Non mais regardez-moi, il pète, l'éditeur est en train de casser un bourron, un boulon. Un blablabla. Non, je vais pas me battre à la rapière. En tout cas, au début, je ne sais pas. Peut-être qu'au début, je pourrais me battre à la rapière. Pourquoi pas? Mais à terme, ce ne sera pas la rapière l'arme de choix de ce personnage. Ouais, je pense qu'on commence à voir un truc bien dégueulasse. Mais regardez, à chaque fois, des fois je rentre dans une des options et le visage se modifie de lui-même. C'est vraiment très étrange. Regardez, juste en sortant, le truc se modifie de lui-même. Ah, c'est fou ce jeu, ce jeu est fou. Ah, un petit air jovial. On sent qu'il est heureux, on sent qu'il aime la vie. Mais peut-on vraiment avoir quelque chose? Oh mon Dieu, non mais regardez-moi ça, mais c'est pas possible un éditeur comme ça. Ce pauvre homme n'a plus de mâchoire. Voilà, redonnez-lui une mâchoire par pitié. Il n'a plus de menton, son menton est rentré dans sa bouche. Ah, la couleur des sourcils, c'est vrai qu'il manquait quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas un mono-sourcil? Oh. Bon, évidemment, on a le broussailleux. On a les pilets. Mais je trouve que celui-ci a du charme, celui-ci a du chien. Oh mon Dieu. Quoique la couleur est peut-être un poil trop claire. Peut-être qu'un petit vert fluo serait du plus bel effet. Idem pour la barbe. Pour la mettre en valeur. Ah oui. Ah oui, ah oui. Oui. Je valide complètement. Ah, un petit tatouage, c'est pas con, ça, un petit tatouage. Parce que c'est un homme qui a des principes, des valeurs. Non, bien sûr, ils sont énormes, ses yeux. Quoi qu'il pourrait être tout petit, perdu dans cette masse. Avec des yeux rouges. Ou des yeux verts. Voire des yeux violets. Des yeux violets, ça me paraît être le bon choix. Ok, évidemment, il est un petit peu fatigué. Ah ouais, un petit côté émo. Un petit côté fan des Cure.
comme ça, sur le bord. Ah, voilà, magnifique. Donc évidemment, le rouge de la... Le rouge du nez. Ah, joli profil. Joli profil. Non, évidemment, un long nez. C'est Cyrano. Oh là là, mon Dieu. Non, évidemment, haut. Tout est haut. Voilà, le nez qui pointe vers l'avenir. Vers son avenir. Oui, prononcez. Petit Duck Face. Un homme qui vit avec son temps. Ah oui, évidemment, joli rouge à lèvres sombre. Rappelez-vous, hein, côté émo. Mais émo joyeux. Émo joyeux. À ce stade-là, ça ne veut plus rien dire, évidemment. On va finir de régler les derniers petits réglages. Ah oui, on retrouve la mâchoire. Et ça, ça fait plaisir. On retrouve le menton. Et le tatouage, donc très important le tatouage. On va s'occuper déjà de la couleur, on va mettre quelque chose de bien flashy. Comme par exemple un beau turquoise. Quoique sombre, c'est peut-être mieux pour le voir déjà. L'opacité, évidemment, ça va être quelque chose de très opaque. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme tatouage? Il y a malheureusement peu de choix finalement en tatouage, hein. On a vite fait le tour. C'est vrai que ça pourrait être le Joker. C'est vrai que j'ai pas percuté, mais en fait ça aurait pu complètement être le Joker. Mais en fait non. C'est juste encore une erreur de la nature qui est sortie à cause de ce magnifique éditeur de personnages qu'est Dark Souls. Meilleure invention de la Terre entière. Je trouve que les talons... Sur la joue qui vient souligner l'œil. Maintenant, reste plus qu'à déterminer une jolie couleur
Hey Super Wolf, welcome. I'm fine and you? Ah oui, c'est une abomination. Ah, ça me paraît être une belle couleur, ça, quand même. Quoique, un petit violet pour contraster avec le vert. Allez, quelle couleur pour son tatouage? What color for the tattoo? What color, Mizu? With purple. Yes, this stream is mainly in French, but that's always foreign languages are always welcome. Green. So purple or green? Ah, two purples, two purple, one green. I think, yes, this kind of purple is quite cool. It's too dark. Aye, let's go for the purple. Maybe a bigger one. Oh my god. Looks like a flame turned upside down. Pink. Pink. I think purple is quite good. So okay, we have that pretty face for a brosse à chiottes. Quite cool, quite cool. Okay, so donc mendiant. Let's go. All people come here. Yes, yes, yes. Donc look at this. Look at this face. Okay, so for now, yes, of course. Ouais, comme je suis un mendiant, je peux rien équiper.
Absolutely so fab. Pas dual wield les mains. Ok, c'est pas grave. Je vais aller essayer de récupérer une dague. I'm gonna get a dagger. Think it could be useful. Yes. Emotive or transsexual or both. Let's go get a decent weapon, at least. At least. So, a backstab first. Or fouille anal in French. mendiant. Merci Bad Wish. Merci, thank you Bad Wish. For the follow, it's greatly appreciated. Une dague. Ah, I can equip that. Merci, merci. Donc, well, mendiant in English, I don't remember what's the name of this class in English. It's not beggar, it's deprived. I did remember, deprived. Ah yes, the infamous Brossa shield. Yes, oui oui. You're gonna have his fabulous storyline, as well as Jean-Claude Vandal, the man with the iron fists, and his fellow teammates. And here we go. Let's go to Majula. Yes, deprived. So for now, I don't really know what build I'm gonna do. But I have when this character will have much more level, I guess. I'm gonna use the best weapon in this game, and if I manage to make it, alors, I don't know. Again, I don't remember the name of the weapon in English, but in French, it's la louche. I am sure someone will in the chat will get it on the wiki. And so that's gonna be the end game weapon, if I may say. But before that, I don't know what weapon I will use. See the king. He who made Drangleic king, then. Yeah, I'm not gonna get level right now, so maybe rapier. I really don't know, in fact. Maybe sorcerer, maybe priest.
maybe melee weapon, maybe ranged weapon, I don't know. No, no, not bone fist. I'm gonna use with the mundane. The mundane infusion. I'm saying that right. Priest sorcerer. I'm gonna quickly search on the wiki. Because this weapon doesn't make any sense, in fact. Yes, mundane stone, yes. I don't know what will I get with this, but just want to know, to test at least once. Ah, okay. Well. Equipment, weapons. I think it's in the hammers. The ladle. Seriously, this weapon. I mean, what the fuck? I mean, but I really want to try a build with this. And yes, before that, I'm gonna get this covenant. I never test it. Never went this with it, but really I want to know what it does. Yes, that's what I think. It's so dumb. And of course I'm gonna try to do the world game with this covenant. So we'll see what will happen. Even if I'm not sure it will go bearer of the seeks far. The king, lest this land's. So for the Estus class flask, and then we're gonna go to the forest of the fallen giants, I guess. I'm going to try to. I hope I can still use the white soapstone. Yes, Mizu, a hard one. I know I can't. Why don't I have my life back? What was I saying? Yes. I know I can. I can't summon white phantoms, but I don't know if I can be summoned as a white phantom. No. Covenant. There's a lot of covenants. Some are for PvP. Some are for PvE. Some are neither like the covenant of this covenant, the covenant of the champion, if I'm right. Ardens the game, in fact. It's like, I think that's the spirit of the covenant. It's like I'm in a new game plus, in fact. The enemies are much
harder now and I can't be helped. No one can help me. And I don't know if even NPCs can be summoned. Well, yes, of course, the Brotherhood of Blood for invading players. So, first enemy. How is it going to turn like? Well, backstab is still strong. At least we got that. Going for the backstab. Missed. Ok. Ouh. Tu prends un petit goût. Que de mage. Lead the fire and let's go. Whoop! Missed. Forget me, forget me. Whoop! I really need to take levels, seriously. I don't know if I'm going to keep my my daggers or use something else. For now I don't know really. Okay, tough part one. Okay. Whoop. Okay, I'm gonna spare my Estus flask for now. I'm bad at parries. I'm really, really bad at parries. Seriously. I really should learn that. Whoop! La, don't fall. My dagger is almost broken, and I don't know if I can equip the short sword. I'm gonna see that right now.
No. Nope. But I can equip that. I'm gonna get that in one end and that in the other. And pray that I don't die. Well, I know the theory of parrying. It's just that I don't have the how can I say that, the timings to do it well. I'm really bad at this. Really, really, really. Okay. Do I have some throwing weapons? Nope. Of course not. I think it gives... Yes. All right. just like what Mizu said. That's my philosophy too. Take the damage and see what happens. I'm gonna use one Estus flask. Oh, come on. Épée bâtarde. All right. Can I rush? Yoo-hoo! Okay, I'm not dead. I'm alive. And I'm gonna get this fire and travel to back to Majula and get some levels. And the question, what am I gonna use? First, what weapons do I have? What can I choose from? Well, I'm not gonna go that far with this. First, how many levels can I take? Can take 2 levels. I know that the
The Blacksmith Hammer. I really like this weapon. So maybe I'm gonna use it. It's quite a strong weapon. Or I could use the rapier. Re-Momiji, re-bienvenue. Stream à moitié en anglais, à moitié en français. Qui est devenu à moitié français, moitié anglais. Quoi prendre en niveau? Je vais prendre dextérité, de toute façon il en faudra un minimum. Dexterity it is. And back to the forest. I'm gonna see if I can put my mark down. Sorry, Supa. Sorry. Was just thinking out loud in French. Whoop. Okay. So I'm gonna see if I can put down my little white stone, white soapstone. Plus there's a Estus flask fragment and divine blessing. So, can I, please? I can't. I can't even myself use this. Ah, I'm being invaded. Yoo-hoo! Great. Great. That's maybe why I couldn't use my... Oh, come on. Don't tell me I'm going to kill you. Really? Oh, come on! Come on! I was that close to beating. Seriously? He's not that great. Really. If I was almost able to kill him... Yes, curved twin blade, and I almost killed him. So now, can I please? Oh god. Or maybe I'm already also invaded. No, I'm not. Great, I can't use. Thank you, Superwolf. Thank you very much for the follow. Thank you.
Well, well, well. I'm gonna give my Estus flask to her. Is that a shop? Here, to see, however. It's going to be tough. Because if I can't be in summoned, I can't really get more souls. Fun time. All right. Let's go. So I cannot. The only way I have to gain back my humanity is eventually to use a human effigy. Oh god. Oh god. This is gonna be challenging. The least I can say. I don't really know where this character is going to do to go. Seriously. I'm gonna wait for him to come. Petit. Whoops! Sorry! C'est clair, Momiji. Little backstab, yes, I'm going to get the ring that gives more souls as soon as possible, because really I'm going to need it. I need to take some levels, I need to buy some things to the merchant. Backstab. Okay, do I have? Yes, I have one. One bomb. Re Genova. Re bienvenue, j'espère que tu vas bien. All right. Nope. Forget me. Oh god. Oops, no more stamina. Okay. I think I'm going to do it that way. Or not. Petit. It's
going to be long. Come on. All right. What are you doing? What are you doing there? Okay, super. Bye and see you later. Thank you for coming and thank you for the follow again. Ok, donc, bah, du coup, on va repasser au français. Donc, on va en chier. Hein. Clairement, c'est un perso qui va en chier. En chier des briques par paquet de 12. Donc, je ne peux pas me faire invoquer. Ce qui me désole fortement. Et je pense que finalement, ma seule solution, ça va être très très chiant, très très long, mais il va falloir farmer en fait. Il va vraiment falloir farmer ces zones, les premières, faire les mobs 10 fois jusqu'à ce qu'ils disparaissent en fait. Gagner des âmes de cette façon. Prendre des niveaux. Pour lancer le perso, parce que en fait, c'est peut-être vraiment le vrai problème, c'est que j'ai un perso complètement catastrophique. J'ai un perso vraiment, vraiment à chier, quoi. En même temps, c'est un petit peu le mendiant. Vous allez me dire, et vous n'auriez pas tort. Par exemple, l'épée courte, ça peut être un bon objectif. Ça peut être un bon objectif. L'épée bâtarde est tentante. Après, vraiment, je ne sais pas quoi utiliser comme arme. Très sincèrement, je sais pas. On pourrait utiliser des rapières, ça pourrait être sympa. Ben, il s'est pas passé grand chose en fait, Momiji. J'ai recommencé un personnage qui est dans le Covenant des Champions. Donc, le Covenant qui augmente la difficulté du jeu et qui empêche toute communication, toute coopération online, mais pas de se faire envahir tout de même. Et j'ai failli vaincre un envahisseur déjà. Mais bon, mon manque de talent a fait que. Du coup, je pense que je vais. Voilà. En stats, je pense que je vais partir sur du 7-10 pour utiliser les épées courtes. Quoique, je pourrais l'utiliser à deux mains aussi. Et je n'y pense jamais, mais je pourrais complètement utiliser cette arme à deux mains. Alors, à deux mains, rappelez-moi. Je ne sais plus comment fonctionnent les stats à deux mains. Par exemple, si je prends cette épée courte, ce qui me dit différemment pour vos noms. Là, ça a l'air de fonctionner, là. Je peux faire les parades, faudrait que je m'entraîne. Avec la petite dague sur le côté. Est-ce que je peux... Là, je pense que je peux l'utiliser à deux mains. À la hache à deux mains, il me la marque différemment.
Donc j'imagine que cette arme-là, même à deux mains, je peux pas l'utiliser en fait. Celle-ci non plus. Donc je pense que je vais partir sur ça et la dague en pick-up et je peux manier éventuellement ce bouclier de parade. Ça me fait un minimum, ça me fait vraiment le stuff de merde, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc je vais partir sur du 7-10, force dextérité déjà. Donc encore prendre deux niveaux, ça serait bien. Sachant que les prochains niveaux sont à combien? À 587, donc il va me falloir 1200 âmes, quelque chose du genre. Heureux, Famous! Heureux! Voilà, et ce qui est terrible, c'est que pour regagner mon humanité, si je souhaite la regagner, ça sera uniquement avec des effigies humaines, donc ça sera limité. Il y a un moment où je pourrai plus reprendre mon humanité si je le souhaite. Même si je le souhaite. Ça va être... D'accord. Pas de soucis, Famous. Ok, ça, c'est un peu de gueule, ça. Oh merde. Ok. Voilà, on va la jouer comme ça en fait. C'est plutôt pas mal là. C'est plutôt pas mal. Clairement, ça a un peu plus de gueule. Non, le poursuivant, je vais pas le faire de suite. Ça, croyez-moi, le poursuivant, je le fais pas de suite. Un catcher ou maquillé comme un Picasso. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais ouais, un nouveau perso qui va en chier en fait. Donc le Covenant le plus dur du jeu, à savoir que tous les ennemis sont augmentés au niveau des dégâts, de la vie, etc., de la défense. Je ne peux pas me faire invoquer ou invoquer des gens. Par contre, je peux me faire envahir. Donc je suis vraiment tout seul du début à la fin. Ça va être tendu du slip. Au moins les backstabs sont efficaces. C'est ce qu'il faut se dire. Ah lui vraiment, si je pouvais lui péter sa gueule, ça me ferait plaisir. Ah oui, non, mais je suis complètement taré, ça, y a aucun doute là-dessus. Non mais vas-y, descends s'il te plaît. Voilà, magnifique.
Oh merde. Voilà. Salut cri 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 tatave. Voilà, cri cri tatave. Bienvenue. Alors non, pas du tout à nouveau, puisque je l'ai déjà fini. Et du moins la trame principale, j'ai pas les DLC. Je l'ai en fait depuis la sortie du jeu. Et là on s'y remet avec mes potes Mizu et Oli. Et là je me fais un petit perso bien comment dire, bien choix à manier. Puisque mendiant, covenant des champions, la totale. En voyant jusque où ça va mener, c'est-à-dire probablement pas très très loin en fait. Oui, bien moche en plus. Un personnage vraiment la mocheté absolue. Allez, descends toi, descends, viens me voir, viens voir papa. Viens voir papa. Viens voir papa. Allez, viens, je ne mords pas, je suis gentil. Absolument, c'est la première fois que je teste le Covenant des Champions, mais j'avais envie de challenge, j'avais envie de me faire bourrer le cul. Je crois que c'est ce qui va se passer. Maintenant, si lui pouvait bien descendre, ça m'arrangerait. Il a pas l'air chaud pour descendre, hein. Ça a pas l'air d'être son trip. C'est ça, viens petit, viens, n'aie pas peur. C'est juste une hache, ça fait mal au début. Mais après on s'habitue. Il y a déjà une dizaine de tes potes qui vivent très bien avec. Je t'en prie, descends maintenant. Descends, c'est ridicule. Bon, tant pis pour lui, il veut pas descendre, il veut pas descendre. On va aller se faire ses potes en bas. Donc ce qui est terrible, c'est qu'il y a de fortes chances pour que dans la plupart des zones, on avance finalement comme ça, en vidant petit à petit les zones. Oh merde, j'ai réveillé son pote. Fais pas le con, fais pas le con. C'est clair, cuir moustache. Je crois que c'est un peu le trip du perso. Ah non mais je t'avais dit backstab, je voulais le backstab moi, je voulais le beau jeu. Merde. Je voulais juste le beau jeu. Oh oui, magnifique, magnifique. Non mais fous-moi un petit backstab quoi, voilà, respecte-toi, respecte la vie, respecte le jeu. Allez, on va aller prendre deux niveaux. Ben, il descend de temps en temps en fait, je ne sais pas trop par quel miracle, mais de temps en temps il descend, donc il y a plus ou moins moyen. Après je me demande en fait si je devrais pas plutôt accumuler 10 000 âmes et acheter plein de trucs à la marchande pour avoir ce foutu anneau qui me donnera plus d'âmes. Je pense qu'en fait c'est beaucoup plus logique de faire ça, donc on va se faire chier. De toute façon on va se faire chier en fait. Je crois que c'est clair, ce stream, on va se faire chier.
Et ouais, dans le 2, ils ont enlevé cette possibilité de farmer à l'infini. Donc il y a un moment où on va avancer, on va être obligé d'avancer. Mais d'un autre côté, on va aussi se faciliter la vie. Puisqu'il n'y aura plus les mobs. Donc, l'un dans l'autre. Et oui, mais alors le problème, Genoa, c'est qu'avec le Covenant des Champions, je ne peux pas poser mes marques. Je n'ai pas le droit de poser ma marque. Je suis vraiment obligé de faire le jeu tout seul. Donc je vais peut-être farmer déjà en fait la première zone où il y a 3-4 zombies facilement accessibles. Juste à côté du feu, peut-être que là j'aurai. On va voir combien ils donnent en âme, ces petits salopios. 50 âmes, bon, c'est pas bézef, mais au moins les tue vite. Voilà, ah oui, il y a un objet aussi en haut que je pourrais essayer d'aller attraper. Oh non, mais t'inquiète pas, je t'aurai. Tu ne perds rien pour attendre, petit salopio. Ouais, donc ils donnent tous 50, certes. Ah, un petit kunai. Un petit couteau de lancer. Ça, c'est bon esprit. Ça, j'aime. Ah, mais moi, j'annonce toujours la couleur. Hein. Il n'y a pas de mind game là, c'est pas le truc le plus opti du monde. Oh, les bons coups de hache dans le vent, ça c'est bon. Ah, une petite armure de fantassin carcasse. C'est vrai qu'il y a la vendeuse, c'est vrai que je pourrais la tuer. Et ouais, voilà, après ça m'embête de le tuer quand même. Ah ouais, l'armure de fantassin carcasse est beaucoup moins bon que la brogne. Par contre, ouais, on gagne que dalle en poids, ça ne sert à rien. Ah, par contre là, il y a mieux. Ouais, là c'est worth it. Là ça vaut vraiment le coup. Voilà, lui c'est en deux coups. Lui, il n'y a pas de souci. Et lui, un petit backstab des familles. Et on n'en parle plus. Voilà, laisse-toi faire, ça va aller vite. Et je ne pense pas que la 7 de feu fasse revenir le vendeur. Je suis pas tout à fait sûr. Hein. J'en mettrai pas ma main à couper, très sincèrement. Et venez mes petits amis, venez mes enfants. Voilà, toi t'aimes la vie. Toi je sais que t'es un winner, toi, ça se sent. Ça se sent que t'en veux. Voilà, encore un petit kunai.
La dague de bandit. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer d'atteindre les 10 000 âmes. Et avoir l'anneau, et après je pense que je m'arrêterai là en fait pour ce soir. Que après ça sera dodo time. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est extrêmement punitif, d'accord. Ah ouais, non, mais c'est-à-dire que le but, c'est d'avoir l'anneau pour gagner des âmes. Si je dois bouffer des âmes ensuite, c'est pas tout à fait l'esprit que je cherche. Allez, je suis fou, je vais tenter la zone d'en haut. Pour essayer de me faire un petit peu plus d'âmes à chaque fois que je passe par le feu. Ça serait quand même pas mal. Oui, c'est vrai que la femme d'émeraude, ça peut être pour vraiment le faire jusqu'au bout, en fait. Pour faire le gros con jusqu'au bout. Le mec, il en a rien à foutre de la vie, quoi. Non, mais ça passe easy. Ça passe easy. Easy peasy. C'est clair, ça. C'est clair que tuer la messagère d'Emeraude, je pense pas que ça soit la meilleure décision du jeu. Oh, le sac à merde! Oui, celle qui permet de gagner des niveaux, Mizu. La messagère d'Emeraude. Ah oui, joli l'esquive pour finalement me prendre la flèche. Je trouve que c'était très sport. Ah mais c'est vrai qu'il y a un objet en dessus et moi j'y vais pas, je vais pas le chercher comme un con. Parce que je suis con. Parce que je suis complètement débile. Allez, il en reste encore un là, celui qui est étendu là ici. Voilà. Bah en fait, je pourrais essayer de rejoindre finalement l'autre zone et de me retéper ainsi à la chaîne en fait. Maintenant que j'ai une vraie arme. Ah oui non, putain, j'ai cru qu'il allait me foncer dessus, ce con. C'est moi, il y a un objet là. Ah ouais, il y a un objet. Et je l'ai pas pris. Des carreaux en bois. D'accord. Ok. Alors toi, tu me la feras plus jamais. Tu m'entends plus jamais. Voilà, reprends ta vie, mon ami. Un petit kunai. Encore une fois. Oh merde. Oh saloperie. Oh oui, j'ai voulu me le prendre. Hein. J'ai vraiment voulu me le prendre. J'ai voulu crever comme une merde. Parce que ça me plaît. Ah ouais, non, c'est la crise de partout. Hein. C'est vraiment la crise, quoi. La petite rondage, je ne sais plus ce qu'il y a de mieux entre la rondage et...
protège mieux du feu et des ténèbres. Mais demande en même temps un petit peu plus pour être manie. Donc je vais dire non. Ok, cri-cri tata, pas de soucis de toute façon. Je pense pas que ce stream va encore durer très longtemps. Ouh, âge de guerre et âge légère et à critique, ça tombe bien. Vu que je suis arrivé au feu. Donc on va retourner à ce feu et on va se refaire ce niveau, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment... J'espère que vous appréciez. J'espère que vous vous éclatez bien parce que vraiment là, je pense que du Dark Souls comme ça, on n'en a jamais vécu des trucs aussi intenses. Je trouve que j'ai bien joué le coup. Je trouve que me prendre deux coups gratuits, c'était la chose à faire. Ah oui, j'ai envie de me les prendre ces coups. C'est ce stade-là, c'est ça tient presque du sacerdoce. Viens là, viens là. Viens là du con. Allez, botte. Des fantassins carcasses. Ok, je pense que ça va être une bonne idée de retourner au feu là. Parce que j'utilise deux fioles d'astuce. Oui, je farm, Mizu. Je farm exactement. C'est exactement ce que je fais, je farme des âmes parce que j'aimerais bien atteindre les 10 000 âmes pour tout simplement pouvoir m'acheter, enfin pouvoir obtenir l'anneau convoiteux d'argent et ainsi gagner plus d'âmes en tuant les ennemis. Donc ça va être long et chiant. Non mais alors ça il faut le savoir Krikritata, c'est que dans la tête de Mizu ils sont beaucoup. On ne sait pas trop. Certains experts parlent de 8 ou 9 personnes, d'autres de 13 ou 14, certains d'une centaine. Donc des fois il se parle à lui-même. Il a une conversation très intéressante avec lui. C'est clair, Mizu ne pose pas de questions, c'est vrai, il interroge, c'est pas con. C'est pas con, c'est à peu près ça quand même l'esprit. Oh oui, joli sac à merde, joli sac à merde. Ah, je vais crever ? Non, quand même pas. Quand même pas, respecte-toi. Respecte le jeu. Allons-y, allons-o. Ah oui, respectez Mizu évidemment.
Et voilà, il est tombé là. Voilà, il a été amical sur ce coup-ci. Allez, je vais aller tuer aussi celui qu'il y a là. Parce qu'il va me rapporter quelques âmes en plus. Et du coup, j'ai 5000 âmes. Et je pense que ces 5000 âmes, je vais déjà les dépenser. En achetant la clé du forgeron et la pierre de Pharos. Ce qui fait donc 5000 âmes. Reste donc 5000 âmes encore à récolter. Non, ne lui donne pas de mauvaise idée, Famous. Ne lui donne pas de mauvaise idée, il va pas s'en remettre. Alors ça, c'est intéressant. Il semblerait que l'attaque... permettre de virer la défense des ennemis. C'est très intéressant. Oh les petits cons. Oh les petits cons. Ah oui, c'est largement plus difficile. Hein. Franchement, rien que le fait de pas pouvoir commencer à farmer les âmes, on est vraiment obligé de farmer les âmes tout seul dans son coin. Déjà, en fait, mendiant, déjà de base, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Je dois avouer. Mais alors, le fait de pas pouvoir se faire invoquer, ça rend, je vais quand même retester. Hein, que ça soit pas un bug, mais ouais, voilà. Je ne peux pas l'utiliser, cette pierre. Donc c'est vraiment un esprit, c'est particulier comme esprit quoi. C'est clair. J'avoue, l'idée du perso de Justin Bieber... le prix de cours de mime. Veux-tu crever ? De toute façon, je pense qu'il va me falloir aussi plusieurs armes, parce que du coup, il faut beaucoup plus de coups pour tuer un ennemi. Du coup, ça fait beaucoup de coups dans un paragraphe, dans une phrase, mais les armes vont s'user à la vitesse de la lumière, ce qui va être gênant. Hey, tout à l'heure tu es tombé, tu peux retomber là. Rien, tu es proche du bord, tu es proche du bord. Et encore un petit effort, encore un petit effort. Tu viens d'où toi?
qu'est-ce qu'il fait, ce con? Mais tu viens d'où, connard? Mais voilà, après, c'est exactement l'idée, Cricritatav. Je vais jamais y arriver. Désolé, hein, je vais l'écorcher je sais pas combien de fois, mais voilà, l'idée d'avoir un perso vierge avec lequel on peut faire ce qu'on veut. Ça, moi, je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, comparé au premier, le mendiant de Dark Souls 2 commence vraiment au niveau 1. C'est-à-dire que vraiment, on a zéro niveau. On part vraiment de rien. Donc quand on prend un Calyx d'âme, on peut vraiment repartir de zéro et faire un perso complètement différent. Et ça, j'aime bien aussi. J'aime bien cet esprit. Ah, dans Dark Souls 1 aussi? Ah mince. Comme quoi, ça fait un peu trop longtemps que je n'ai pas joué au premier. Oh merde. Mais saloperie! Ouais, mais il me semble que dans le premier, on commençait niveau 5 ou 6. Alors, on avait toutes les stats égales, mais on commençait 5 ou 6, je sais plus. Ah, c'est complètement ça, hein, c'est la bite et le couteau. Comment ça t'es pas mort? Comment ça t'es pas encore mort? Non mais ce personnage, mais n'importe quel ennemi, ça peut complètement être la mort en poule. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que le problème du mendiant, c'est que les débuts sont difficiles. Il est vraiment à poil. C'est clair, on mendie pour avoir des âmes, c'est exactement le principe. C'est exactement le concept. Oh là là, le sac à merde. Le vrai, le seul. Ah oui, c'est de là, dès qu'ils sont ensemble, ça, c'est beaucoup moins... c'est plus du tout Saga Africa, quoi. C'est pas les ambiances de la brousse, quoi. Ah, j'avoue que Bloodborne, il donne envie, mais pour l'instant, c'est une exclu PS4, non? Oui, je sais, Tengus, mais c'est pas grave.
J'ai vraiment besoin de farmer les âmes pour avoir un minimum. Et en fait, ça m'arrange presque qu'ils disparaissent au bout d'un moment parce que ça me permettra d'avancer plus facilement dans le niveau. Mais de toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on farme vraiment. À chaque fois pour avoir un maximum d'âmes et avancer plus sereinement dans le jeu. Sbra! Une petite ouverture de crâne, ça fait jamais de mal, ça remet les idées en place. Ah, de ce que j'en ai lu, Bloodborne, pour l'instant, c'est une exclue PS4. Après, je peux peut-être me tromper aussi, hein. Je vais aller allumer ce feu parce que j'ai envie. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça fait zizir. Ben, en fait, l'erreur avec Demon's Souls, je pense que c'est surtout Sony qui l'a fait en laissant filer la franchise finalement. Ils auraient très bien pu avoir les Dark Souls exclus à leur console. Et finalement, bah, ils ont laissé filer le truc parce qu'ils pensaient que ça attirait personne. Voilà, super intelligent. Après, je m'en fous, j'ai pas de PlayStation, donc ça m'arrange, moi, que ça soit sur PC. Mais bon. Non, mais tu vas te calmer. Non mais t'es sérieux? Allez, fais-le ton troisième coup, voilà, et crève. Crève en silence. Ah oui, non, c'est ça, hein. Nintendo avec Isaac, ils auraient pu sécuriser finalement une autre franchise, rien que pour eux, et pour des raisons marketing, ils ont décidé que cette franchise, c'était trop pipi caca pour eux. Oh merde, je vais crever. Ah, je l'avais dit que j'allais crever. J'avais dit que j'allais crever. Je l'avais annoncé. Sac à merde l'avait dit. Bon, ce qui est pas mal, c'est que je suis juste à côté. La mauvaise nouvelle. C'est juste à côté du côté blasphématoire, d'accord. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les âmes étaient juste à côté. Donc finalement, on n'a pas perdu grand-chose. Mais tout de même.
Allez, une petite ouverture de crâne. Il n'a pas réagi ce con. Nintendo, ils visent surtout leur public. Maintenant, c'est voilà, ils ont très bien compris que s'ils faisaient la course au graphisme, ils finiraient comme Sega. Ils ont une base suffisamment forte pour vendre des consoles juste avec leurs jeux, et quand même, faut avouer que leurs jeux sont pas de mauvaise qualité. Ils ont pas besoin de plus en fait. De toute façon, les éditeurs tiers, ils sortent des portages pourris et après ils se plaignent que leurs jeux se vendent pas. Après voilà, par exemple, Bayonetta 2, c'est encore un bon exemple d'exclu que Sony laisse filer. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi, c'est parce que les ventes du premier Bayonetta n'ont pas été extraordinaires, en tout cas, n'ont pas été à la hauteur des attentes des marketeurs de chez Sony. Voilà. Et derrière, Nintendo arrive, fait un chèque, et sur une seule console, alors, enfin, c'est pas que Sony, avait aussi Xbox, mais bref. Nintendo arrive, fait un gros chèque, et le 2 c'est pas, je crois, forcément beaucoup plus vendu que le 1, sauf qu'il s'est vendu sur une console. Allez, on y croit, hein. On y croit encore 1400 âmes. On y croit à mort. Bah alors, il vient pas ? Ah, il vient. Surtout qu'en plus, pour finir sur Nintendo, ils ont quand même une particularité avec leurs jeux que peu d'éditeurs ont, c'est que leurs jeux se vendent sur la durée. Là où beaucoup de jeux font toutes leurs recettes sur les premières semaines en gros d'exploitation, un petit peu, finalement un petit peu comme les films, il y a énormément de jeux Nintendo qui en fait se vendent sur la longueur. Se vendent bien au début et continuent à se vendre pendant très longtemps, pratiquement jusqu'à la fin de la console, voire même parfois après. Étant donné qu'il y a de la rétro-compatibilité en général, même des jeux comme par exemple les Super Mario Galaxy, finalement ils continuent à se vendre. Ce qui est hallucinant en fait. Oh, je vais le regretter. Bon, ça va.
Le Bayonetta 1 devait être une exclu, oui. Sérieusement? C'est clair, l'esquive de ouf. Ah, mais non, Famous. Faut pas dire ça avec Nintendo. Ils sont bien, Nintendo. Enfin, moi, j'aime bien leurs jeux. J'ai pas envie qu'ils finissent comme Sega. Hein. J'ai pas envie que Mario finisse comme Sonic. Hein. Pauvre Sonic. Ok, Cricri Tatav. Ben, merci d'être passé. Et ben, à bientôt. De toute façon, moi, je vais pas tarder, hein, encore quelques âmes à farmer. Et ça sera bon. Merci, merci Cricri Tataf pour le follow, merci beaucoup. Et à bientôt. Ah oui, non mais clairement, hein, mais ça c'était avant. Pour Sega. Quand, j'ai pas joué au jeu, hein, mais j'ai vu quelques vidéos, j'ai lu les tests et tout. Quand je vois ce que a donné Sonic Boom, le gameplay il est parti là. Hein. Ah ouais, non, mais ça, les licences épuisées à fond, je veux dire, tous les constructeurs, y a pas un constructeur qui a pas une licence épuisée à fond. Hein. Très sincèrement, Assassin's Creed 24, Call of Duty 52, FIFA 46, bon. Très sincèrement, je préfère, et encore une fois, je préfère la manière dont finalement Nintendo gère ses licences, à part Mario, les Mario 2D qui sont devenus un petit peu n'importe quoi. Là, c'est peut-être un peu trop, mais sinon, un titre par console, il pourrait exploiter plus. Ah, mais après, c'est ils ont, je dis pas qu'ils ont que les Sonic ou quoi. Hein, c'est pas ça le. Pas ça le reproche, ils en ont plein. Hein. Ouais, fait les Final Fantasy 72 et consorts, je veux dire. Et dans le tas, c'est pas les licences Nintendo qui me semblent les plus tirées. Les plus à bout de souffle, quoi. Après, ce que je leur reproche, c'est sur la difficulté. Ça, quand on compare les premiers Mario à ceux qui sortent maintenant, on prend le premier Mario, même les Mario Lost Level, le vrai Mario 2 qui était sorti au Japon, et quand on compare à ce qu'on a maintenant, c'est sûr que niveau difficulté, ça a perdu. C'est pas Dark Souls 2, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est un peu ce qui me manque, mais bon. Ah non, mais voilà, après c'est une histoire de choix. Hein. C'est comme ton choix. Je respecte le fait que tu détestes la Wii, mais. Je trouve pas que ça soit les pires. Ah tiens, notre ami à la lance a disparu. Ouh, on a commencé à vraiment fermer cette zone. Et j'ai pas vu, mais j'ai mes 5000 âmes. En fait, c'est magnifique. Donc théoriquement, je vais dépenser toutes mes âmes. Alors qu'est-ce que je peux acheter de bien pour 5000 âmes?
Non, mais là en fait, les objets, c'est pour avoir l'anneau, pour avoir plus d'âmes. Donc il faut que je dépense encore 5000 âmes chez cette vendeuse pour avoir le dit anneau. Donc je calcule pour avoir pile poil les 5000. Donc si j'en prends deux, ça va faire 3000. 3000 à merci, 2000 à prendre. Et 2000, je pourrais prendre plein de bombes incendiaires par exemple. On va faire ça. 3000. Voilà, je lui parle. Et voilà, l'anneau convoiteux, c'est exactement ce que je cherchais. Je vais lui parler pour enlever tous ces dialogues. Voilà. Et équiper très vite ce petit anneau qui va me servir. Voilà. Parfait, that is good. Donc, je vais retourner à Majula et je vais m'arrêter là. Non mais voilà, après, bon, toujours sur les consoles, si on parle de hardware, si on compare le prix que valent les consoles par rapport au prix où on les paye, toutes les consoles sont chères, sans exception. Les PS4 et Xbox One, c'est des PC bas de gamme, des PC, ils vendent ça 500 €, je ne sais plus. Il y avait quelques. Au moment où les consoles étaient sorties, où les caractéristiques avaient été dévoilées, grosso modo, ça coûte 250-300 € pour un PC. C'est vendu 200 € ou 150-200 € plus. Et la Wii U, c'est exactement pareil, on est d'accord. Hein. C'est cher pour ce que c'est, mais. Je vais juste me téléporter pour... Ouais, quoi que je m'en fiche, en fait. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Oui, il me semble que j'ai pas tout pris dans cette zone. Voilà. Mais la Wii, ce qui est clair, c'est que c'est une GameCube légèrement améliorée. La Wii U, c'est une équivalent du PS3 Xbox 360. C'est clair, mais ça, c'est pas vendu comme une next-gen, quoi. Je trouve pas, enfin, j'ai pas l'impression qu'on me vend la console du siècle, quoi. On me vend une console Nintendo, avec Mario, Zelda, Star Fox, la totale. Ni plus ni moins. Après, si on n'aime pas les jeux Nintendo, y a aucun intérêt à prendre leur console. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Quoi. Ah oui, c'est clair. Le Resident Evil 1 HD, c'est grosso modo ce qu'ils avaient fait sur GameCube. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Je vais quand même regarder. Du coup, je pense que je peux virer quelques trucs dans mon inventaire. Je vais le faire de suite. Comme par exemple... Ah, ça, je peux pas le virer. Super. Je le vis bien. J'avais pas vu que j'avais récupéré cette arme, la dague du bandit.
Ah, la Dreamcast. Ah, moi ma Dreamcast, mais déjà j'ai du mal à vendre toutes mes consoles. Faut avouer que j'ai encore ma NES, pour vous dire. Et j'ai encore ma Dreamcast. Et ma Dreamcast, mais jamais de la vie je m'en sépare.